ça va? Bande de petits chelapinos. Il fait beau, carrément. Ça veut dire qu'il y a des fans qui sont dehors. Sors ton snipe. On est en division 4-4, appelle-moi Prime et le tout terrain. Fais attention à ton équipe, mec, ce soir je vais casser des reins. Ouh, swag, swag, je pagaie sur le fleuve du swag. Je pagaie ma gueule, qu'est-ce que tu vas faire? Même si on fait un bras de fer, c'est moi qui va gagner, frère. Putain, vous êtes venus pour regarder du FIFA, vous êtes là, wow. Calme-toi, Fafreluche, calme-toi. Oh, le bâtard. Voilà pourquoi je perds pas, parce que je joue pas avec une balle, mon vieux. Je joue avec une de mes couilles. Comme ça, je suis sûr qu'elle se dégonfle jamais. Qu'est-ce que tu vas faire? Damn. Sauf quand je fais des galipettes avec des femelles, mais ça, c'est une autre histoire. Oh, le sourire. Voilà pourquoi je travaille pas avec eSport. Même eux ils m'ont dit après, mais t'es trop loin, on peut plus rien faire pour toi. Oh là là, mais t'es pas sérieux. Comment fait-il pour avoir trop de style? Sa mère, quand elle est rentrée, elle l'a trouvé devant la télé, il bougeait pas. Elle lui dit, mais qu'est-ce qui se passe, mon amour? C'est quoi? Eh, je l'ai fait bégayer jusqu'au prochain FIFA. Qu'est-ce que tu vas faire? Il pourra reparler sa mère qu'en août prochain, après les vacances. Au moins il pourra choisir son cartable pour la rentrée scolaire. Allez, casse-toi. Là je patiente depuis telle heure, ça y est, j'ai déjà patienté, c'est fait ça. C'est qui les développeurs de ce jeu là? Quoi? Mais vous êtes sérieux, putain? Est-ce que ça va compter comme une défaite maintenant? Est-ce que ça va compter comme une défaite? La tête de homme, c'est un truc de ouf. Jeu de merde. Jeu de merde. C'est un jeu de merde, quoi ça? Jeu de merde, vous êtes con ou quoi? Mais faites le jeu, quand tu fais le jeu, tu vois s'il marche ou pas avant de le vendre. C'est quoi ça? On te vend un jeu, il marche pas. C'est comme si on te vendait une chaussure sans semelle, on dit vas-y, tu peux marcher avec. Vous allez sortir un jeu Coupe du Monde, mais le jeu de base il marche pas. Je vois du Marley, du Bob Marley. T'as compris ou pas? Bob Marley, non? Nique ça. Bien ou quoi, bande de petits chez la pignotte? Toujours avec ma banane? C'est pourquoi une banane? Y'a quoi dans la banane? Du potassium. Y'a quoi dehors? Des pétasses. Donc plus tu manges des bananes, plus t'as de pétasses. Plus de potasse pour les pétasses, ma gueule! C'est bon les gars, j'ai percé, c'est officiel. Ils m'ont appelé. Les Illuminati. J'ai répondu, j'aurais dit j'ai déjà la lumière chez moi, c'est pas la peine de venir. Bang bang! Contrôle du Pexer, mon vieux. Qu'est-ce que tu vas faire? Y'a rien. Mais qu'est-ce que tu fais, mon vieux? Arrête de faire des basses, joue. Mais vraiment, faut conclure, mon gars. Tu deviens pas papa en faisant que des bisous à ta meuf, hein. Sache-le. Il faut que le bâton entre dans le petit trou. Putain, t'achètes Ibarbo pour faire des passes, mon... On va le faire, on va le... Ah, putain. Tocardinho. Tocardinho. C'est comme Ronaldinho, mais en tocard. Tocardinho. Plus ça plie, plus ça glisse. Salut bande de petits chapignos, tu vas te demander pourquoi une vidéo avant la vidéo, ça sert à rien. Fou, Robert a du potentiel, les yeux sont bleus aujourd'hui. Bref, c'est pas ça le sujet. Moi, Prime, 21 ans, sportif de haut niveau, sexe symbole de toute une génération. J'ai glissé dans la douche. Tu veux que sur ma tombe ce soit marqué Prime a glissé au mauvais moment, au mauvais endroit? Non, merci beaucoup, voilà, hop, clac, qu'est-ce que tu vas faire? Rien du tout. Non mais sérieux. J'ai glissé dans ma douche, j'ai 21 ans. Tu penses vraiment que j'avais fait... Tu penses que je voulais faire une vidéo juste après avoir glissé dans ma douche? Le swag, c'est pas fait pour glisser. On est d'accord, ça doit rester à côté de toi. Là, mon swag, il est trop loin. On dit pas, c'est pas 1, 2, 3, nous allons au bois, 4, 5, 6, que le swag glisse. Non, c'est pas ça. Non, non. Là, mon swag, il a glissé super loin, je pouvais pas... Donc voilà. C'était Prime. Profite de la vidéo, on est en division 2. C'est chaud, ma gueule.
Ça y est, on y est. J'ai le seul. Non mais depuis la chute dans la douche là, je suis plus le même homme. Je mets des claquettes en caoutchouc pour me doucher, j'ai peur. Ah, la glissade est vite arrivée, mon vieux. La dernière fois j'étais assis dans l'RER, il y avait une vieille, elle était debout, elle m'a regardé. Dans ma tête, je me dis c'est mort. J'ai plus confiance en la gravité. J'espère que ça n'est pas premier match, un but, deuxième match, deux buts, troisième match, trois buts. Parce qu'il y a 10 matchs dans une division, c'est chaud. Ouh, en plus c'est un anglais, t'entends ou pas? Il est hors jeu, il était hors jeu. Il était hors jeu. Il était hors jeu. Il était hors jeu. Le tueur de légende. Si il centre, il marque. Si il centre, il marque. Mais petit... Me... Mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Arrête de mentir. C'est pas possible. Arrête, arrête, arrête. Mais quoi ça? Oh, normal, il joue avec 4 Pauline. Ma mallette elle marche plus, ma mallette elle marche plus. Le tueur de légende. Il est hors jeu, il est hors jeu encore. Mais t'es hors jeu, mais vas-y arrête poto, t'es hors jeu. Il est hors jeu, mais il est hors jeu. Jeu, j'ai ma mallette elle est cassée, elle est hors jeu. Qu'est-ce que tu fais? Ma manette elle marche plus! Ma manette elle marche plus, putain! Il était hors jeu! Il était hors jeu! Il était hors jeu! Il était hors jeu! Vas-y, il était hors jeu, frère! C'est juste chasse! Oh là là! Mais ne serait-ce pas un tour de magie? Swag! Ahmed! Ahmed! Eh, j'ai fait un putain de tour de magie, c'est une dinguerie! Femme le magicien! Je fais disparaître des écouteurs! Ben, t'étais là dans RER. C'est le Père Noël, c'est Santa Claus. En fait, chez les Américains, genre, c'est Santa Claus. Non. Mais suis en cours d'anglais aussi, suis en cours d'anglais toi aussi. Non, non. Time's gone loco, every day I go, bad bitches wanna follow. Eh ouais, t'as pas compris, je t'ai dit de suivre en anglais. T'imagines, je suis ton père. Il est parti. Salut à tous, moi, le Champignos. C'est Frank. Nouveau truc dans ma life là. J'ai rencontré une meuf. Ouais, j'ai envie de me... C'est comment elle s'appelle? Victoire, poteau. Ça veut dire qu'en parlant maintenant, je dois jeter punchline sans le vouloir. Je sors avec la victoire. Bon bah Victoire, toi et moi c'est mort. C'est la vie. C'est pas grave. C'était cool le R&B. Si t'as rigolé et tu lâches pas de like. Ma tante du bled, elle arrête pas de m'envoyer des invitations pour jouer à Candy Crush. Tata, si tu regardes cette vidéo, je m'en bats les couilles de ton jeu. Je rigole même pas, tata. Je joue pas avec ces trucs-là. Je joue pas avec ces trucs-là, attends. T'es là, t'as bientôt 60 ans. Tu joues un remix de Tetris avec des bonbons et toute seule en plus. 65 ans, t'as pas d'amis. Laisse-moi tranquille, tata. Rends ouf. Blédard, va. Si ma tante et la célèbre direct. Yo, yard, bah c'est ralenti. Ces gens-là, c'est les plus dangereux. Dès que ses potes, ils le voient jouer, il dit, ah, tu aspires un chi. Lui dit, t'es sérieux, wesh, ça pue à la merde ce but. T'as marqué avec ton gardien? Ah, mais non, tranquille. La dernière fois, j'ai marqué avec l'entraîneur. Comment on se dit, c'est oh shit! Manu! Remets-nous des glaçons. Non, j'étais pas prêt. Comme quand tu vas aux toilettes et quand tu reviens, ta meuf a ton téléphone dans les mains. Elle te dit, c'est qui Aurélien? Toi, t'es con, c'est-à-dire, tu réponds. C'est ma pote, pourquoi? Bah, pourquoi tu lui envoies des photos de ta bite alors? Ça allait vite, j'avoue, hein. Premier dans les cerfs. Premier dans les cerfs. Tu parles la bouche pleine? Tu parles mal à tes abonnés? Tu postes des vidéos le mardi alors ça s'appelle un du freestyle et en plus tu fais deux matchs par vidéo maintenant? Mais ça va où? Ça va où? Je me désabonne. Premier dans les cerfs. Je vais essayer de mettre que des buts de ouf. Speed. Non mais
mais ça, la dernière fois j'étais avec mon petit frère. Tu vois, c'est mon petit frère, c'est-à-dire je le chahute un peu, je suis le grand frère, tu vois. Ouais, parce que je suis un grand frère exemplaire. C'est-à-dire je le chahute un peu, tu vois, je le cherche, je l'embête, tu vois, pour le préparer à l'extérieur. Ma bite, il m'a mis un coup dans le plexus. Mais j'ai juré, il m'a fait me couper la respiration. Tu vois, quand on trappe, ça fait... Bon, hier, je cherche les couches, aujourd'hui, il me coupe la respiration. Et vous, je voyais son sgagounet tous les jours. Je mettais du talc. Quand tu talques quelqu'un, là, cette même personne ne va pas te couper la respiration quelques années plus tard. Tu vois. Là il est midi. Ça commence à devenir tight. Exactement, tight, un adjectif en anglais qui signifie serré. Exactement, bien joué Nabil. Bien joué, tiens une image. À 10 images t'as un point. Et à 100 points on te donne la nationalité française Nabil. C'est raciste un peu. Les serveriers ils marchent pas. Jusqu'à ce que le problème soit réglé, j'arrête de respirer. On retrouva Guillaume, mort dans sa chambre, inanimé, sur sa chaise. Bon, on va lancer un chip. Oh oui, c'est parfait ça. Qu'est-ce que tu fais? Vous jouez comme ma bite. Et ma bite, elle joue pas au foot. Ça c'est si j'étais entraîneur, tu vois. Je serais connu pour mes punchlines. T'as, c'est comme si tu courus le premier soir et tu dis à la meuf, non, je préfère qu'on attende. Qu'est-ce que t'es con ou quoi? Mais tu l'as fini. Oh putain, sors. Y'a en jeu quelque chose. Quelque chose. Non! Putain! Prime le bard. Il m'a dit attention, il a Shevchenko. Je lui ai répondu, Shevchenki? Baby in slow motion. Ça va? Oh, je la mets! Oh, je la mets! Bref, tu sais qui regarde mes vidéos maintenant? Mon propre père. Chaque fois qu'il regarde la vidéo, il doit se dire non, ce spermatozoïde là, il a fait la diff. Ma norme m'a dit, tu n'as pas fait de vidéo pour nous ça la semaine dernière. Je vais parler mon père comme Jar Jar Binks dans Star Wars, si on revient bien. Mon père, il parle grave bien français, mais que à l'écrit. En plus, il la raconte à la mort. Genre, il aime bien faire des mots fléchés, tu vois. C'est, non, le rebeu sait qu'il a du vocabulaire. Il est tout le temps avec ses mots fléchés, genre. Et, hein, l'intelligence de la maison, synonyme de devinette, en 5 chiffres. Rubus. Et moi je voulais pas le contrarier, ça veut dire je lui ai dit ouais vas-y Rubus, je connais pas. Et quand je trouve pas il fait genre, tu sais pas c'est quoi Rubus. Non parce qu'il est vieux, quand il rigole, il tousse. Et dès qu'il va avoir ma dent, il va m'en mettre une. Qu'est-ce que tu vas faire? Il semble que vous soyez déconnecté. Yeah, yeah, c'est Prime, j'ai pas d'intro. C'est grâce à la Chico. Les roses sont rouges, les violettes sont bleues. Prime vient de fumer un autre bouseux. C'est grâce à la Chico. C'est grâce à la Chico. C'est grâce à la Chico. Putain. Mais là je joue pas contre un petit, je joue contre un adulte. Peut-être un père de famille. Les pères de famille qui mettent tout l'argent dans les packs, tout ça. Après leur enfant il dit, papa j'ai faim. Ta gueule, je suis en train de jouer. Depuis longtemps soldat. Toi ça se voit que c'est pas il est quelle heure. Là le mec là il est en train de jouer avant d'aller travailler. Sa collègue elle va lui casser les couilles, il va dire Martine c'est pas le moment. C'est bon, j'arrête. Je sais pas si c'était marrant, j'avoue, j'ai forcé. Vas-y, balance. Ahmed. 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 Eh, hey, tu veux jouer à FIFA en vidéo? Vas-y, s'il te plaît. T'as dit quoi? Mais moi, je suis ton frère. Hein? Tu vas voir la vidéo Ahmed. Moi je t'ai tout donné. Et maintenant j'ai choisi tes potes à moi. C'est pour ça papa il est parti. Les tutos de Prime. 3 barres de puissance. Tu restes appuyé sur ta gâchette et tu frappes. Attends, peut-être faut... Attends. 3 barres de puissance. Du bon pied, c'est important. 3 barres de puissance. Et tu frappes.
Voilà. Le secret de cette technique est qu'il faut appuyer sur la touche de tir lorsque le ballon se trouve le plus loin du joueur. Merci à tous. 3 barres loin du joueur. Là, j'ai raté par exemple. Les tutos de... C'est une dinguerie carrément. Je vais sortir le CD. T'as vu le trou au milieu? Je vais mettre mon zizi. T'es fou. Il s'appelle Abou. Non. J'ai le seum. Est-ce que t'as déjà vu un petit gros qui s'énerve? C'est incroyable comment c'est débat. C'est bien rouge de ça, du vent. Parce qu'ils se sont énervés. Ils ont brûlé des calories. Parce que quand tu t'énerves, tu contractes les muscles, ils ont pas l'habitude. Effort physique, il faut qu'ils rechargent les batteries. J'ai faim. Ils s'en battent les couilles. Au McDo, ils prennent pas du coca, ils prennent de la sauce. Avec frites coca? Non. Est-ce que je peux avoir de la mayonnaise avec des glaçons s'il vous plaît? Merci. Je peux avoir un ballon? Non, c'est pour les... J'ai vu un ballon. Je suis énervé. Ça veut dire j'ai faim. Je veux un ballon et un deuxième menu maintenant. Ah, c'est ouf les gros. Mais restez gros, hein, changez pas, vous êtes génial. Bah sans les gros, il y aurait pas de maigre. C'est ce que je veux dire. T'aurais pas de jugement. Je veux dire, ah, un homme. Le bicien s'est engagé. J'aurais pu être à... En plus, moi, j'aurais pu être avocat. Mais choisi la rue. J'aurais pu être un médecin, mais j'ai choisi la rue. J'aurais pu être un sportif, mais j'ai choisi la rue. J'aurais pu être n'importe quoi, mais j'ai choisi la rue. Capé. Mais j'ai choisi la rue. Bah j'y rigole. J'ai demandé au médecin pourquoi ça fait une petite bosse, tu vois. Ça fait une petite bosse en fait, ici genre. Mais une petite, ça va, j'exagère pour que tu comprennes, tu vois. Mais j'ai demandé au médecin. Il m'a dit, Prime, ton sgeg, il est trop grand, je vais pas te le répéter 100 fois. Il a dit, il tire ma peau vers le bas, c'est pour ça qu'il y a un petit trou dans ma tête. Mais il a dit, c'est normal, tout le monde a le petit trou, c'est juste qu'ils ont pas tous un gros sgeg en fait. Je ne comprends pas comment ça marche. Ouais mon frère, Prime, c'est comme avec ta meuf. Tu voulais l'arrêter, mais c'est rentré quand même. Là, ça marche, genre. Putain, stylé de dingue! C'est incroyable cette technologie, non? Voilà. Et c'est un truc de ouf, comme par hasard. Allô bébé, ça va ou quoi? Allô bébé, ça va ou quoi? Dès qu'elle a appelé, bim, sentiment direct, bébé, ça va ou quoi? Genre, c'est moi le gentil dans la situation, tu vois. Ça va? Allô? Après, c'est simple. Juste, tu tends l'oreille, tu fais genre, je t'intéresse. Sérieux? Je sais pas, elle m'a parlé de son école, genre j'ai été accepté dans un BTS, qu'est-ce que je m'en fous? Est-ce que j'avais un bureau près de la vie scolaire? Est-ce que je suis ton conseiller d'orientation? Non, qu'est-ce que je m'en fous? Fais ton truc, meuf, fais ton truc. Non, je rigole. Je sais même pas en fait si je rigole. Bref, c'est pas grave. À un moment, on commence à se faire attirer par le courant, mais grave loin carrément. Tu vois, qu'est-ce qui se passe? Après, je tourne la tête comme ça, en plus on faisait les condés ou des grosses lunettes avec des tubas sur le côté, parce que notre oncle qui faisait de la plongée. Vas-y, il nous a prêté. Quand il y a des vagues, le tuba il sert à rien, il y a de l'eau qui rentre dedans. C'est-à-dire, c'était dur de voir, tu vois. Bam! Il y avait de la buée, tout ça sur mes lunettes. Je regarde ça. Après, je lève un petit peu l'élastique parce que ça me serrait un peu les oreilles. J'entends. Après, je me dis, Théma, c'est qui ce bolo qui est en train de se noyer? Après, je crie, Ahmed, Théma! Je dis, Ahmed, il est pas là! Je me rappelle de la main que j'ai vu sortir de l'eau. Je dis, mais c'est une main de salope ça! Je la connais! Et bim, je commence à nager. Bim, je commence à sauver Ahmed. Bim, je le prends. Vraiment, si je commence à être emporté, tu vois, les vagues, elles arrivent, clac, clac. C'est à moi de faire un truc bizarre. Je me suis dit, en fait, si je rejoins Ahmed, nos chances de survie sont plus fortes que lui tout seul. Parce que là, c'était très mal parti, en tout cas. J'ai vu le rebeu comment il se comportait. Là, il essayait pas de se sauver, il attendait un miracle, frère. Comment tu veux t'en sortir si tu fais ça? Garde ton calme, rebeu, mon frère. Bref, je commençais à attraper le pub, je commençais à me battre contre le courant. Ouais, parce que... Quand t'as les yeux verts, des fois faut que tu te battes contre les éléments. Je bam 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 bam, je commence à me battre contre le courant, clac. Après je vois y'a un blédard au loin et c'est lui qui nous avait montré comment fallait faire le surf, tu vois, le premier jour. Bim, il se retourne parce que c'est un blédard et il...
Il connaît le son du danger. Tu vois, Léo, pas. Bref, 3 mètres. Moi, c'était elle. Mon travail était fini. Dès qu'il a pris un mètre, je suis parti. J'étais là en mode, j'avais plus de force. Je me suis laissé couler comme ça, vite fait. Mais tout en gardant la maîtrise, tu vois. Mais je me suis laissé couler. Je vais pas te mentir, à un moment, j'avais lâché l'affaire sur la vie. Je me suis dit, bon, t'as fait ton temps. C'était ton destin de sauver un mètre. T'as fait du sport. T'as fait de grandes études, bon tu les as pas terminées, mais t'as fait quand même. C'est l'intention qui compte, non? Là tu sauves des gens. Quoi d'autre? Bim, je reviens à la plage. Après un mètre, ce con, c'est ce qu'il me dit. Il me dit, dis à personne. Parce que sinon ils vont pas me laisser nager encore. Je dis, toi t'as rien compris, sale trop du cul, va. J'aurais dû te laisser pourrir. J'aurais rien, dans ma tête, je me suis dit, pour le bien de l'humanité, j'aurais dû le laisser couler le petit. Au moins il aurait compris, tu vois. Je dis, ah ouais, j'ai déconné. J'ai déconné. Donc fais attention, meurs à 19, 20 ans. Tu vois, t'es au top, t'es au max. Tu meurs pas quand t'es là, ton frère, t'as plus de poils sur les jambes que sur ta bite, c'est relou. Insertion tactique. Insertion tactique. Bien quoi mon champignon, c'est prêt ou pas? J'ai enlevé ma barbe. Je vais pas mentir, je vais pas te mentir. Juste avant qu'on commence, je pense la beubar, c'est pour 2015. Quand j'étais petit, juste avant de dormir, je me disais, j'espère que j'ai un gros zizi. J'ai eu un gros zizi. Maintenant là, quand je suis un peu plus grand, là, je me dis, j'espère que j'ai la beubar. Et je pense que ça va marcher. Je pense, on va voir. Fais-le chez toi. Mais je sais, parce que vous êtes des mecs qui trichez beaucoup. Fais pas les deux, parce que quand tu mélanges des trucs, je sais pas ce que ça fait. Peut-être ça va te faire apparaître un long sgeg sur le menton, les gens vont t'appeler pharaon, tout ça, mauvais délire. T'es fou. Pour réfléchir, tu vas commencer à te branler le menton. Dès que je vais trouver une idée, tu vas faire... Tous mes joueurs, je les ai vendus, j'ai une équipe de merde, je viens pas te la présenter, ça sert à rien. C'est comme quand t'es avec une meuf, c'est même pas ta vraie meuf. Tu croises un pote à toi, tu vas même pas la présenter. Tu vas dire, ouais, vas-y, c'est... ouais, c'est vagin. Alors que quand t'as un avion de chasse chez toi, t'es obligé de présenter. Je lis toutes les stats. 95B, 1m65, 38 tours de surf. Je sais pas comment on dit, tu vois, le délire ou pas. 38 de tours de surf. Tu vois comment ils annoncent les boxeurs au début des combats? La salle, elle devient noire. Il y a un micro qui tombe du ciel, ça comme... Et le plus important, 8 ans de plongée. Ça veut dire... Ça veut dire la meuf, elle a soif d'aventure, tu vois ce que je veux dire. Et vu qu'elle fait la plongée, ça veut dire qu'elle a pas besoin de respirer trop souvent, tu vois, parce que c'est une pro. Ça veut dire... Ça veut dire qu'elle peut s'attarder en dessous de la ceinture, tu vois ce que je veux dire. Bref, moi je dis ça, je dis rien. Sers-toi une plongeuse, bon délire. Sauf qu'elle va faire des trucs chelous. Quand elle va vouloir prendre son bain, elle va rentrer comme ça dans la baignoire. Bah voilà, sauf que là, je vais pas le dire. C'est... Je t'ai dit, je vais danser avec le hasard. Fous de la forme aussi, putain, mon gars! Buenos dias, conchitas y conchitos. Ahora, vamos a jugar une frase de Blase. Primer nombre. Ça, c'est Sirosa. Segundo nombre. Et le jour où tu me vois piquer une crise. Tercer nombre. Zalai, Zalai. T'es fou, Joker? Merde! Ça, c'est les voisins. Pas de mentir, ils sont déjà venus. Ils sont juste venus. Ça a rien changé. Si c'est une meuf, elle a de la puissance, hein. Taper comme ça sur le mur, ça fait mal, hein. Mais c'est le bien, c'était un daron aussi. J'étais obligé de crier, je vais pas te mentir. La dernière fois, ils sont venus, ils ont demandé. Ils ont dit, non, mais parce qu'on entend des cris, est-ce que quelqu'un est en train de se faire agresser? J'ai dit, oui, oui. Je suis en train de me faire agresser moi-même, c'est moi la victime dans cette histoire. I see you walking down the bus line lately. Yeah, beau gosse. C'est Benafino. I'm trying to find a way to make you my lady. Ah, voilà, il est trop marrant, Prime. Je le kiffe. Pouce bleu. Mais c'est la moitié. Tiens, t'as oublié ton bob sous la pression. Bien ou quoi, mon champignon, c'est Prime, j'espère que tout le monde va bien. Si j'ai pas de moi, c'est parce que j'ai appris Game Truc, mon frère. Zbing, j'ai appris Game Truc, tout ça, tout se passe bien. On a fait Prime, Nation. Que des dingueries, mon frère, c'était pas là. T'as eu que le week, de week-end. Et week en anglais, ça veut dire faible. Ils ont dit, ouais, on a programmé 30 minutes pour toi, Prime. 30 minutes. Ouais, t'inquiète pas, de toute façon, il y aura pas que des gens pour toi. Tout ça. J'ai dit, dans ma tête, j'ai dit, ils nous connaissent pas. Moi, dans le truc de Ubisoft, parce que je vais capter les gens d'Ubisoft, il y a un mec de la sécurité, un hindou. Moi,
Je me suis fermé. Je dis c'est bon. J'ai compris. Bref, j'arrive, je vais au comptoir directement. J'ai dit bonjour, cherche Camille. Il y a une meuf, elle arrive, elle croit, elle pète le score. Elle pète rien du tout. Elle dit bonjour, c'est moi Camille, qu'est-ce que je peux faire pour toi? On s'est parlé sur Skype, tout ça. Ah bah non, on s'est pas parlé sur Skype. Ah bah non, tu parles de Camille l'autre, ok. Non, je crois elle est déjà partie. Et là, je savais, elle avait le seum. Je savais que Camille n'était pas partie en vrai. Je me retourne deux secondes plus tard, je vois qui? Camille, la vraie Camille, j'arrive comme ça, wouah! Après, genre, je vois Camille, elle arrive, claque. Bah! Jusqu'elle était synchro, au ralenti, avec les battements de mon cœur carrément. Je me suis dit, hey, ça, c'est pas le coup de foudre! C'est la crise cardiaque! Ah! Bien quoi, Camille, toi, je prends une voix, soit. Ça fait plaisir de te voir, là. Voilà, j'ai quelque chose à te demander, tout ça, c'est vraiment important. Est-ce que tu peux sauver Londres? J'y vais pour toi, Camille! Chauffe à Londres! Je le nettoie, après, je te le rends clean! Déjà Londres, ça s'écrit comment? Est-ce qu'il y a un S à Londres? Parce que je connais pas. S'il y a un S, ça... je suis confus. C'est quoi Camille? Vas-y d'accord. Mais sauf si tu passes le season pass avec, comme ça j'ai toutes les maps, tout ça. Elle a dit pas de problème Prime. Nettoie moi cette ville. Elle a dit t'inquiète même pas Camille, je vais nettoyer la ville. Camille, t'inquiète même pas. Je vais tuer les Templiers. Bing. Voilà Camille, j'espère t'as kiffé. Laisse un like si t'as encore besoin de moi à Londres. Camille. Je serai là. Peace. Ah puis t'as vu, comme je savais que j'allais parler de Camille, je vais pas te mentir, je me suis soigné un peu, tu vois. J'ai fait le mec imprévisible un peu, genre, hein, côté rose, côté bleu, nouvelle casquette. Wesh, mais d'où vient cette inspiration? Peace. Bon, t'as fait me toucher là, Falcon, mais casse ta gueule. Comment ça je l'ai touché? J'ai touché de manière virile, fallait marquer, de manière virile. Hey. Oh. Bien comme Champignons Fallout 4. Dans l'éventualité d'une catastrophe nucléaire... Attends vite fait. Comme je te disais, Fallout 4, fallait s'y attendre. Le Rambert va rempiler, il n'en est pas plus temps. En plus, on en a parlé. Non, faut que tu joues, nanana. On veut voir le Rambert sur Fallout 4. Il dit, le Rambert, je sais pas s'il va accepter tout ça. Bang. Bien sûr, il accepte le Rambert. Avant même que toi, tu penses, je suis déjà dessus. En plus, je crois que j'ai une touche avec ma boulangère. Ça fait 2-3 jours, on se capte, c'est ce que je veux dire, dès le matin. À chaque fois, moi, je lui dis à demain. T'es fou, ça commence à me coûter cher en pain au chocolat en croissant. En plus, ce matin, j'ai sorti le grand jeu. Je pensais sortir le grand jeu. Je suis parti au tabac. Avant de partir à la boulangerie, je suis parti au tabac. J'ai acheté Le Monde. Bien sûr, le journal, comme ça, dès que j'arrive à la boulangerie, elle se dit putain, le rebeu il est cultivé, hein. T'es fou, je suis rien cultivé du tout. Le seul rapport que j'ai avec Dame Nature, c'est les ouanges. Et le sexe, c'est tout. Et sa femme et son fils. Bioco, Champion, c'est Prime. Et aujourd'hui, on va jouer à Need for Speed, mon frère. En deux speed, for deux. Comme Nekfeu il a dit en plus. Quand j'ai besoin de faire le vide, je fais le plein. Quand j'ai besoin de faire le vide, j'appelle une chouin. C'est quoi chouin? C'est quoi chouin? Ça veut dire pute. Moi tout va bien là, tu vois, j'ai le cœur léger. Je viens de faire l'amour, tu vois pas? Comme dans les hentai là, je suis rouge encore un peu. Genre j'étais embarrassé quand je faisais oh non, est-ce que c'est ça? C'est bon comme ça. On demande pas si c'est bon une meuf. Si tu demandes c'est bon une meuf, ça veut dire que c'était pas bon frère. C'est quoi l'indicateur? Moi je traîne avec des meufs qui ont des grandes gueules en fait. Ça veut dire que si quand tu finis de faire, elle a arrêté de parler, t'as gagné frère. Alors là, tout à l'heure, on était en train de faire bam bam bam. Après un moment, sa jambe commence à bouger comme ça. Là, j'étais pas en train de faire l'amour, j'étais en train d'électrocuter, frère. Ça allait trop vite. T'es fou, le chargement, il est long. On s'y prend du con. J'espère leur voiture, elles vont vite. Tranquille, moi j'étais déjà tenu, je sortais de la douche. J'étais tenu, j'attendais comme ça. La meuf, elle était déjà habillée, tout ça. Je parlais normal avec elle, mais c'est normal, c'est chez moi, je vais à domicile. Je connais l'environnement, je sais ou pas. Après, la meuf, elle me dit, ouais, vas-y, va dans ton lit, ça. J'ai une petite surprise pour toi. Moi je suis pas con, je savais elle avait une petite surprise, c'est-à-dire lingerie, tu vois. Subaru! Ça c'est ma voiture. La Subaru! Elle est partie, genre se changer. Mais moi j'ai commencé à paniquer, je me suis dit comment ça sur le lit? Est-ce que je me mets en dessous de la couverture? Au-dessus de la couverture? Tu sais quand tu commences à être con. Parce que je voulais pas faire le queue, mais genre en mode je suis assis sur la couverture, il y a une grande. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas sexy. C'est pas sexy. C'est burlesque, tu vois. T'es fou, y a pas de vue intérieure? Ah ouais, t'es fou, 2016 hein. J'ai dit vas-y, quitte à faire un queue-truc, je vais le faire pour de vrai, tu vois. Après j'ai fait quoi? Je me suis caché derrière mon armoire. C'est que mon zizi t'est passé. Oh shit. Elle est rentrée se taper une grande barre. Elle m'a dit ah, je pourrais jamais oublier. J'ai dit je veux jamais que t'oublies. Oh shit. Et c'est ma rue, mon bitume. Les poulets on les fume et c'en est trop. Je fais des tubes sans nitro, il suffit plus. Je me remets dans...